Et bonjour à tous, ici Vigo pour la suite de notre let's play sur la purge du vivant avec une guerre qui se passe au mieux. Hein. On tabasse, on purge, c'est tout ce qu'on aime. Ici on va faire de la science, tiens la science est beaucoup trop lent chez moi, c'est pas une bonne chose. Ici on va rajouter des logements, et ici on va rajouter des logements. J'ai pas la thune, mais on va rajouter des logements. Ok, alors, qui je cherche? Toi. Toi, t'es là. Tu... Alors, vous allez arrêter. Vous allez arrêter, disais-je. Et toi, tu vas poser les armées. Normalement, là, ils sont pas très bien. Ouais, voilà, ça va être un morceau de gâteau, comme on dit. Planetary pacification protocols initiated. Alors ça se passe comment? Ça se passe très bien. En plus je crois que les machines ont un avantage sur certaines choses, sur ce genre de choses. Je crois qu'il y en avait un que j'avais dit d'aller là-haut, mais on va dire que toi, tu vas aller là. Et tu vas... Qu'est-ce que je cherchais? Ah là là! Qu'est-ce que je voulais que toi tu viennes là et que tu, pareil, tu poses des armées ici. Je peux toujours pas me déplacer entre les deux, sérieusement. Bon. Va me... Oh, c'est un auxiliaire espace. Bon. Vous deux là. Non, pas toi. Juste toi, à toi, à toi plus toi. Vous pouvez aller là. Je suis obligé d'explorer là. Comment est-ce qu'ils veulent que j'explore? Plutôt parfait, tiens. Invasion terminée. Parfait. Donc maintenant que Sinjabouv m'appartient, quelle est la population? Déclin, c'est normal. Tu es censé disparaître, je te rassure. Il y a masse emploi disponible et en termes de population robot, il n'y a pas grand chose. Bah ça, c'est un labo de recherche. Laboratoire de recherche en ruine. Bah, faut le reconstruire. Ah merde. Ce qu'on va faire en priorité, c'est surtout un centre d'assemblage, mais ça coûte 400 balles. Je peux me permettre un petit achat compulsif là. Hop là, petit achat compulsif. Sinjaboon. Tu vas me faire ça. 41 emplois disponibles. Putain, je peux te dire que... Là, la population de robots, elle a intérêt à aller vite. Wouahaha, réplicateur, priorité, s'il te plaît. Hop là, voilà. Dévastation, ça se répare, la dévastation, ça va. 49 de pop, surtout vous, là. Chance de s'échapper 20%. Y'a pas un moyen de les supprimer encore plus vite, ça? Purge. Je peux pas choisir de les purger. Ah, attends. Je crois que c'est dans... Politique... espèce. Vous. Vous êtes des indésirables. Définir les droits. Citoyenneté indésirable, ça tout à fait. Conditions de vie exécrables, ça tout à fait. Service militaire exempté. Organisation prohibée, évidemment. Contrôle de la population, bien sûr. Contrôle des migrations, bien sûr. Type de purge. Alors, traitement chimique. On va être purgé par mois et par monde à la vitesse de base. Chaque pop a 1% de chance pour devenir bonheur, moins 1000% extermination. Moyenne, une pop vont être purgée par mois et par monde à la vitesse de base. Chaque pop a 5% de chance de s'échapper pour devenir réfugié. 0,5 et 20%, et là, 1 et 5%. Extermination pure et simple. Désolé de vous le dire, les gars. Toi, améliore-toi, si tu veux. Alors, qu'est-ce que ça dit maintenant? Première purge. Ça, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Combien? Trop de Synrat. Beaucoup trop de Synrat. C'est pas propre. C'est pas propre, le Synrat.
Ah voilà, première purge, ça fait plaisir. Eux, ce seront les prochains. Faut faire gaffe quand même à eux là. Technological acquisition successful. Ah, faut pas les décrets. Effondreur, oula. Bon, on va faire ça parce que peut-être ça va nous débloquer autre chose. Technological acquisition successful. On va te démanteler, je pense. C'était une corvette. Ouais. Invasion terminée. Parfait. T'es en train de me dire que je peux toujours pas aller là? Ah si, alors il y a quoi là? On sait pas. Mais ce que je sais, c'est que bientôt il y aura plus grand chose. 3 d'armée, 20, 20, 4 et 9. Ok, c'est parti. Il y a un mec qui est pas démantelé. Bon, c'est pas grave. Le fait de passer à Capanaval, ça fait 1%. C'est pas non plus. Ça va pas casser 3 bouches à un canard. Alors, station minière et station de recherche. Allez hop, on enchaîne. Toi, t'as toujours des problèmes de logement. On peut régler ça. Ah yes. Alors, production des stations, ça c'est bien. Dégâts infligés par les armées, ça c'est bien. On va peut-être réduire le coût. Ça c'est bien ça. Parce que les drones subalternes, si je dis pas de conneries. Prenons une planète tout à fait au pif. Vous, la population. Ouais, déclin, c'est normal. Tac. Prenons une population tout à fait. Oui, pardon. Drones subalternes, c'est eux. Donc, tous ceux qui produisent des ressources. Donc, ouais, drones subalternes, c'est pas mal. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Dommage infligé au Bastère, ça c'est bien. Mais maintenance des vaisseaux, c'est très bien aussi. Plus de cap à naval en plus. Un, deux, trois, quatre. D'abord. Non, ça se construit. Mon générateur. On va voir. Hostile fleet assets engage. Ah oui, leur base est pas non plus faible. Je vais prendre quelques dégâts. Ok, parfait. Alors, j'avais pas un vaisseau scientifique qui fout derrière mon coin. Il est dessus lui. Ok, il fout pareil. Donc ça c'est fait. Oh, ouais, non, faut quand même les guérir un petit coup. Hop et hop. Voilà. Et là où est-ce que j'ai foutu mes armées? Flotte de transport, elles sont là. Bondoga. 81. Toi t'as pas besoin d'être guéri, toi non plus. Hop. Petit bombardement orbito, histoire de faciliter le travail de tout le monde. Voilà. Toi t'arrives, tu vas poser les armées, vous deux, ouais, bon, toi aussi. Vous vous arrêtez, vous mettez là en stand-by. Planetary pacification protocols initiated. Correct ça aussi. Qu'est-ce que tu fais, Twé? Twé, t'es là. Ah bah attends, mais il y a des planètes là. 18. 22. Alors toi, mon pote, colonisation instant. Oh, 300. J'avais pas vu que ça avait baissé ça. Asmorepra. Je peux enfin coloniser de façon efficace là. C'est quoi ça? Ok, c'est pas mal. La planète a une anomalie. Ah. Ah. Combien ça? 14, ok, alors. Donc toi tu vas fouiller le site et je veux que t'enchaînes ensuite directement sur l'anomalie qui est là. Et là il y a moult planètes également. Et vous... Tu vas venir là.
Et j'ai un gars qui fout rien. Merde. Ouais, c'est ça, il faut rien. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bah, tiens. Comment ça se passe, ça? Ça se passe très bien. Son quotidien a été détruit par ses ennemis, reste à voir quelles sont les conséquences de cette disparition sur cette politique galactique. Ah, j'ai donc vaincu! J'ai donc vaincu mes ennemis! Voilà qui me met fortement en joie. On va pouvoir passer au suivant. Toi, finalement, tu viens là. Alors, parmi tout ce qu'il y a par ici, alors Shinarak, est-ce que je peux te rétrograder? T'as des constructions en cours? T'as quoi comme construction en cours? Ah oui, parce que c'était le plus proche. Ok, donc Shinarak, tu vas pas bouger. Toi, est-ce que pareil, j'ai besoin que tu sois... Il y a beaucoup de canons. Ouais, je réfléchis ça en vrai. Est-ce que c'est intéressant de garder cette zone là? 6 sur 7. Ici je vais sûrement enlever. Yunduk. Toi tu deviens un chantier. Et Sound, ça va rester utile. Mais toi Yunduk, t'es pas nécessaire. Je peux te rétrograder. Surtout si je crée un autre truc. Enfin, si je garde le chantier naval ici. Je le garderai où? Ici ou ici? Parce que je viens garder l'un des deux. Ça, c'est quoi? Ça, lui, il est en train de me construire le vaisseau. Bon, il a déjà son chantier naval et ses panneaux solaires. Donc, autant garder lui. Et Fieri, Mabé, toi, tu vas rétrograder. Voilà, ça me redonne un peu de base stellaire. Alors, petit problème de logement ici. Technological acquisition successful. Ah. Ah, ça, c'est bien ça. Vu que je vais commencer à recoloniser un petit peu. Donc je vais avoir des soucis ici, mais à mon avis, un petit réseau d'espionnage, est-ce que ce serait pas malin? On va faire ça. J'ai bien un port, du coup tous ils peuvent venir. Colonie suivante, hop. C'est le réseau d'espionnage, désolé, j'ai pas regardé l'événement, mais c'était le réseau d'espionnage. Bah tu vas faire le projet qui est ici. Ah ouais, je me suis pas vraiment étendu par là. Faudrait que je commence à m'étendre autrement que juste par... Toi tu construis. J'ai des mecs qui sont où? Je sais pas trop ce qu'ils foutent. Ok, lui il va là. Construction okay, complete. Ah, le fait de purger des... C'est vrai que le fait de purger de population, ça me donne... Ça me donne de quoi faire. Comment influence... Bon, je vais finir ça. Hein. Limite de commandant des flottes plus 20. Ouf. Ça c'est intéressant parce que ça et ça... Je peux les fusionner. Et du coup, ça et ça. Là, je peux pas. Par contre, toi, je peux te nommer Gudol. Voilà. Encore un vaisseau de construction qui ne fait rien. Bah, j'ai tellement d'influence et d'alliage là que je peux me permettre. Allez hop. Pour une fois qu'il y a une partie qui se passe bien, on va en profiter. Hmm.
construire. Zéro emploi. Ah, mince. On va commencer à construire des nœuds. Histoire de gagner un peu plus de. Construction et ça. Situation, s'il faut les deux. Ok, toi, on va peut-être arrêter ça. Et on va voir ce qu'on a. 3 jobs, 2 jobs. Beaucoup de criminalité, mais en même temps, je leur ai foutu sur la gueule comme jamais. Non. Si. Si, c'est ça. Attends, ça, je peux pas le détruire, ça ? Démolir ? Ouais. Ouais, je crée de la bouffe, ça me sert à rien. Attends, est-ce que si je fais remplacer ? Ok, oui. Du coup, il faut que... Démolir. Parfait, et toi tu as été attribué en monde minier. T'as des particularités ou pas? Ouf, pas plus que ça. Quoique, deux districts. C'est pas inconvenant. Ok. Ok, la population a disparu. Je peux donc sur ça également. Ah, yes. Ouais, c'est sur une recherche. Et qu'est-ce qu'on a là? Du coup, une planète de 16, une planète de 14. Là, on a dit qu'on a une planète de 14. Est-ce que... Bon, on va prendre la planète de 16. Hein. Hop, là, ouais, elle est pas mal. On va pouvoir coloniser, enfin. Améliorer. Et améliorer. Claque et toi améliorer ça. Et qu'est-ce qui pourrait manquer? J'ai encore 10 de commandant de flotte. Toi, je peux t'augmenter donc. Non, pas 10, putain. 4 et 1, 5, oula! Ouf! La tête, c'est difficile. Bon, il s'améliore. Hein. On attend qu'il s'améliore, on va voir après. Il va me falloir de l'énergie. Ça va, j'en ai un, j'ai dit. Non, c'est pas lui. District générateur. Voilà, dès qu'il l'aura fait, ce sera un peu mieux. Un autre ? Hop. Il a du mal à purger, je sens. Population, ouais, ça décline, mais ça décline doucement. Construction complete. Oula, je perds tellement de. Oulala. Un complot mis à jour. Oh. Évolution ajoute une créateur d'opinion, abus de confiance envers Kingdom. Pourquoi nos agents au sein de l'Alliance suivante découvrent que preuve assez douce sur laquelle la Kingdom tempétueuse cherche à nous tromper dans un avenir proche. Nous sommes capables sur toute cette affaire. Ah. Aïe, de l'unité, j'ai besoin de construction complete. Qu'est-ce que t'as à faire, toi? Bah, tu vas aller te balader, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et toi, bah, je sais pas ce que tu fais ce que tu veux. Hein. Putain, le coût en énergie commence à être massif. C'est surtout les populations qui coûtent. Tu m'étonnes. Va me falloir du district générateur un peu partout, là. Ici, par exemple. Ah, mais attends, tu fous rien. Augmentations completed. Viens là. Ok, mes vaisseaux sont améliorés. Oh putain, ils sont bien améliorés en plus. C'est pas... Augmentations completed. C'est pas de la nouille. Donc j'ai 5, je vais rajouter... Bon, 4 ici et 1 là.
Planetary settlement procedure initiated. Ah non, c'est le nombre de jobs disponibles, putain. Ok. 36 de jobs disponibles, ça va faire que j'arrive pas. Complete. Je sais pas ce que je vais en faire. Mince. Oula. Tac, on va vendre. Hein. Ok. Bon, on va voir comment ça se redéveloppe, mais c'est vrai que là je suis en train d'enchaîner les constructions, c'est... Technological acquisition successful. Ah, double, parfait. Bah on va faire ça. Comme ça, nous allons obtenir le premier atout de l'ascension. Et je pense que l'un des meilleurs atouts de l'ascension pour être meilleur face aux ennemis, ça va être l'ascendance technologique. Il y en a énormément qui sont excellents. Ça, c'est très bon, vu qu'en tant que machine, on a un énorme malus d'expansion due aux colonies. Mais je pense que je ne le ferai pas tout de suite. Et pour le reste... des synthétiques, mais je crois que je peux pas le suivre. Je pourrais devenir la crise, mais je suis pas sûr que je puisse. Ah si, si je pourrais. Je pourrais devenir la crise. Ah ça c'est bien ça, en vrai. Mais il y a aussi projection galactique des forces. Ça c'est sûrement un autre que je prendrais. Mais sinon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je verrai. Monde mécanique. Ah, ça c'est bien. La terraformation en monde mécanique. Ah, ça c'est bien. Nécessité de technologie de restauration climatique, c'est que d'autres à toute la source ont déjà été adoptés. Ok. On fera ça du coup pour créer des mondes mécaniques dans nos colonies d'existence. Mais en attendant, ascendance technologique, vitesse de recharge 10%, pour moi c'est un des meilleurs atouts du jeu. Donc autant le prendre. Alors, ça j'ai recherché du coup. J'ai pas de trucs très intéressants. Bon, on va enlever des bloqueurs. Hein. Ouais. System survey complete. Ok, parfait. Donc, toi, tu... non-standard space entity encountered. Non, c'est pas ça le problème. C'est... Bof. 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 Bof, c'est ça. Ça, je peux pas m'en occuper tout de suite. Mais dès que je pourrais, ça va cogner. Tac. Oh putain. Ah, c'est bien ça. Centrale de purification, production des stations minières, point de coque. Je prends la subvention minière, je pense. J'ai toujours pas de nouveaux idées. Non. Ah ouais, j'ai vraiment un problème là. Il faut du générateur un peu partout. Tiens. Il m'en manque un. Donc est-ce que toutes mes armées sont bien au même endroit? Tout est bien au même endroit, ainsi que... Ouais. Non. Toi et toi ensemble du coup. Hein. Vous faites combien de puissance à vous deux? 228, ok c'est pas mal. 14, c'est pas non plus exceptionnel. Construction complete. 18, c'est bien ça. La planète a une anomalie. Ah merde. Ah, fais-moi des stations minières, pitié. System survey complete. Toi, tu fais quoi, toi? Toi, reconnaissance automatisée. Ok, ça c'est quoi? Ah merde, ça va expirer ça. Tiens, fais-moi ça. Non, attends. Tu iras me faire ça. Construction complete. Que ça lui prend combien de temps? 41 euros, ça va. Donc, tu iras juste après là. Ouais, non, je risque de les perdre. Allez hop, projet d'enregistrement. Vas-y maintenant. Ah, c'est bien ça. Ça c'est bien aussi. Oupsie.
Merde. Ah merde. Bon, on va faire un petit échange mensuel, on va vendre ça. Je sais pas combien ça vaut, je vais commencer à 20. Et je vais en acheter un petit coup maintenant juste pour constater. Et merde, j'ai une situation. Ah, c'est un peu chiant ça. Planetary surface settlement established. Ok, ça vient de pop. On a deux emplois disponibles, trois de population. On va faire un petit logement et on va marcher directement par des réplicateurs. Enfin, une centrale d'assemblage. Ce secteur frontalier est dirigé par qui? Comment je lui applique quelqu'un? Ah oui, voilà. Attends. On va faire un truc. Alors, carte des secteurs. Asmore, Firin, Shinrak. Les trois ont une planète? Colonie, colonie, colonie. Ok, bah du coup... Non... Oui. On va... Ah putain. Bondoga. Créer un nouveau secteur. Et on va nommer un nouveau gouverneur. Tu coûtes pas cher, tu augmentes la recherche, tu augmentes le... C'est bien ça. Ah bah du coup c'est un autre mec à renommer. Tu t'appelleras, voyons voir... Einstein c'est compliqué... Tesla, tiens on pourrait prendre Tesla. Lesta du coup. Comme grand nom de scientifique. Voilà. Allez, on continue. Mes armées, elles sont prêtes à y aller. Hein. Ouais. C'est quoi ça? 1241. Il n'y a pas non plus l'armée la plus faible du coin, quoi. Je sais pas du tout l'armée la plus faible non plus, mais... Une guerre ouverte, là, tout de suite. Hop, tiens, échange mensuel, on va peut-être réduire un peu. Hop, 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 hop. Lui découvre des trucs, on va commencer à s'étendre par là, mais lui, il faudrait déjà que je puisse lui mettre sur la gueule. Est-ce que tout le monde est bien purgé là-bas, en termes de population? Ça, il n'y en a plus, ça, il n'y en a plus, et ça, il n'y en a plus non plus. C'est bon ça. De la recherche, c'est très très bon. Ça, il y a une planète, et une base stellaire. Special project complete. Toi, t'as déjà fini tout ça? Mais bah, ok, tu retournes à ton exploration du coup. Non, ton exploration là-bas. Et toi, t'es toujours. C'est parce que je suis sur pause depuis tout à l'heure. Peut-être. Peut-être. 28 minutes. On va juste commencer à mettre nos. C'est quoi le nom? C'est Avantir. Juste là, on va les mettre. J'ai un commandant qui n'est... Hein? Attends, où est? Non, c'est bon, il est là. Gudo l'est nommé. Pour lui, j'ai pas besoin de rajouter un commandant pour un vaisseau. La flotte, quand même, tu vas pour le coup rester là. Bondoga. Tu restes là, tu bouges pas. Ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode.